Bonjour, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment consulter et remplir les documents lorsque je suis centre organisateur. Lorsque je suis simple participant, donc ici, si je prends la date du 2 avril, pour le club de Cergy-Pontoise, je vois que mes équipes vont, 5 équipes vont se déplacer à Beson. Si je clique sur le site de Beson, j'ai le rappel toujours de la date et de l'horaire, le lieu, bien évidemment. Je vois ici que le nom du correspondant a été rempli dans Foot Club et donc ses coordonnées apparaissent, téléphone, mail et puis bien évidemment son nom, ce qui permet de facilement le contacter pour avoir des précisions sur l'organisation. Je retrouve comme précédemment les documents à utiliser pour le plateau, la feuille de présence puisque je suis club participant. La feuille de plateau étant réservée au club qui accueille, mais vous pouvez également la télécharger, et puis toujours en consultation, l'annuaire des correspondants foot animation. Je retrouve sur la gauche la composition du plateau. Donc on voit ici que trois clubs sont invités, Beson, Cergy et Sarcelles, avec un nombre d'équipes différent. Vous n'avez pas accès ici à la case documents à transmettre après le plateau par le club organisateur, puisque vous êtes simple participant. Ici, Cergy-Pontoise est simple participant au plateau. En revanche, vous avez la possibilité ici de transmettre votre feuille de présence une fois enregistrée sur votre ordinateur. Donc ça vous sera demandé si éventuellement le club accueil a un souci, perd les documents. Donc au préalable, vous avez pris une photo de votre feuille de présence et à ce moment-là, vous avez une trace qui vous permet de la transmettre. Au district via l'application. Vous avez également la possibilité évidemment de remettre un petit commentaire quant à l'organisation du plateau et puis vous validez tout simplement lorsque vous avez transmis, lorsque vous voulez retourner à la page précédente. La suite dans l'autre vidéo.